Je crois que le bébé arrive. Tout se passe bien, chérie. Rappelle-toi de bien respirer. Quoi? Mais tu vois pas que je souffre le martyre? Bravo! Oh, chérie, elle est magnifique. Elle a mon sourire. Et si on l'appelait Mindy? J'adore! Je suis rentrée. Ce chocolat a l'air délicieux. Salut, mon chou. Je vais me régaler. Qu'est-ce que c'est bon? Mais drôle de texture. Qu'est-ce que c'est? Dis-nous, le suspense est insupportable. Waouh, un billet doré pour l'école des riches. Ça doit être mon jour de chance. Tu entends ça? Notre petite fille va étudier à l'école des riches. Bien, Mindy, c'est tout ce dont tu as besoin. Amuse-toi bien et n'oublie jamais qui tu es. Merci, papa. Salut. Notre bébé a bien grandi. Je m'étais promis de ne pas pleurer. Ouais, attends. On a peut-être un problème. Fausse alerte. C'était seulement un intello. Tout est prêt. Tu fais un excellent boulot. Désolée, c'est tout ce que j'ai. C'est tellement gênant. Ah, que c'est bon d'être riche. Et maintenant qu'il pleuve. Mais attention aux cheveux. Waouh, j'adore mon boulot. Bien, commençons la leçon. Tu es parfait, Chris. Bonjour, je crois que c'est ma classe. Tu dois être la nouvelle. Entre, je t'en prie, assieds-toi. Merci, je suis super nerveuse. Oh, pas si vite. Tu peux pas t'asseoir là. J'ai une réputation, tu sais. Va derrière. Ah, d'accord, désolée. À côté de la poubelle? Je dois vraiment m'asseoir là? Si Chris le dit, je crois bien que oui. Il est important ici. Ça me paraît un peu injuste. Mais d'accord, je savais que c'était une mauvaise idée. Je n'ai pas ma place ici. Je me sens comme une extraterrestre. Et je n'ai même pas de stylo. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir utiliser? Ah, ça devrait faire l'affaire. Au moins, je pourrais prendre des notes. Il laisse entrer n'importe qui de nos jours. C'est ridicule. J'espère que vous avez révisé, parce qu'aujourd'hui, c'est contrôle. Pendant que vous vous donnez du mal, je vais admirer mes beaux cheveux. Oh, je déteste les contrôles. Ça a l'air dur. Allez, au travail. Il faut juste que je sorte quelque chose de mon sac. Ça devrait me faciliter la tâche. Qui a dit ça? J'entends l'univers me parler. Mais non, idiot, c'est Gabi. Écoutez, les intellos, cette nouille de prof m'a donné un contrôle et je n'ai pas du tout révisé. Alors, va falloir que vous m'aidiez. Vous allez me donner les réponses, sinon... Regarde tout cet argent! On pourrait s'acheter plein d'instruments scientifiques! Attends! On est censé être des pros! Donne-nous une minute! Je veux dire, on va le faire bien sûr, mais il faut qu'on reste cool! Nous avons étudié ta proposition et nous acceptons les conditions! Oh, merci! Exactement ce dont j'avais besoin! Je crois que je connais la réponse! Ou peut-être pas? Ça m'échappe! C'est vraiment tragique! Hé, les cervelles! Allez, je n'ai pas de temps à perdre! Une minute! La science prend du temps! C'est un processus compliqué. Vous faites des cocktails? Bougez-vous! Nous sommes sur le point de faire une découverte. Mais pourquoi c'est si long? Dépêchez-vous! Oh, ces intellos ne servent à rien. Et la pauvre, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai trouvé! C'était pas si compliqué après tout! Les révisions, c'est pour les nuls. Ça pourrait aller plus vite? Ça y est, on a trouvé! Tiens, notre plus beau travail! Pas trop tôt, merci! Je vais avoir une super note. Tenez, vous l'avez mérité. Waouh, on est riche! Ça va contribuer au progrès de la science! Tu plaisantes? Je vais m'acheter un skateboard! Elles sont mignonnes! Monsieur, j'ai fini! J'adore la couleur de l'argent! Hein? Donne-moi ta copie, Gabi! Je vais la corriger et la noter! Je vais avoir besoin de mon stylo rouge! Intéressant! Très bon travail! Mais tu peux encore t'améliorer! Je te mets un B! Bravo, Gabi! La prochaine fois, j'aurai un A! C'était trop facile pour moi! Je crois que ça y est! Monsieur, j'ai fini! Fais-moi voir. Je vois. C'est incroyable! C'est vraiment toi qui as fait ça? Bien sûr, pourquoi? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Tu es un génie! Oh, merci! Quoi? Elle? Un génie? Tu as résolu l'énigme du voyage dans le temps. Allô, je voudrais parler aux astronomes. Allô, ici l'agence spatiale, j'écoute. Je suis sérieux. Tous les mystères sont à présent résolus. Cela démontre que les extraterrestres existent. Je vous ai envoyé une photo. Ce type est dingue. Waouh, c'est pas possible, il faut que je passe un coup de fil. Excusez-moi les enfants, mon téléphone sonne. Allô professeur, j'ai là quelque chose qui va vous épater. Je vous l'envoie tout de suite. Vous devez absolument voir ça. Ça change tout. Allô, le jury du prix Nobel, préparez le trophée. Je viens d'assister à la plus grande découverte scientifique de l'histoire. Nous savons maintenant que les voyages intergalactiques sont possibles. Époustouflant.
Remarquable, Mindy, c'est un honneur de t'avoir rencontré. Félicitations, je suis sans voix. Hé, le photographe, assurez-vous que mes cheveux sont bien dans le cadre. Bien, je suis prêt pour l'école. Il faut que j'arrive avant Mindy. J'ai une surprise pour elle. J'espère que ça va lui plaire. Je vais le laisser sur son bureau. Peut-être qu'elle m'appellera avec. On pourra s'envoyer de gentils messages. Ah, la voilà! Soyons naturels. Ah, salut Chris. Salut Mindy, tu es ravissante. Oh, c'est gentil. Tu remarques quelque chose de différent sur ton bureau? Quoi? Oh, un nouveau téléphone? Mais d'où est-ce qu'il sort? Personne ne me donne jamais rien. Waouh, c'est incroyable! Je crois rêver. Heureux qu'il te plaise. Ce téléphone est vraiment pour moi? Tu mérites ce qu'il y a de mieux, vraiment. Oh, Chris, hein? Oui, vendez les actions et puis... Attendez! Qu'est-ce qui se passe? J'espérais qu'on pourrait se voir plus tard. On pourrait aller voir un film? Ah, c'est comme ça, hein? Il est temps de sortir le grand jeu. Mais il lui a acheté un cadeau. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bien joué, Chris, mais je peux faire mieux. Tu ne seras jamais meilleur que moi. Voilà qui est mieux. Ça va être super. Ahem. Mindy? Hé, hey, c'est à moi. Non! Et paf! Qu'est-ce que tu fais? Ça fait du bien. Tu n'as plus besoin de ça. Pourquoi as-tu fait ça? C'était mon téléphone. Tout ça, c'est pour toi. Tu es sérieux? Pour moi? Je sais, je suis plutôt cool. Je me dis ça en me regardant dans la glace. Échec et mat, Chris. Mais la concurrence est trop dure. Qu'est-ce que je fais? C'est la première fois qu'on s'intéresse à moi. Qui choisir? Le garçon sensible et attentionné ou celui qui est riche et sûr de lui? Aidez-moi, les amis. Silence dans la classe. C'est l'heure du contrôle. Non! Voici vos copies. J'avais complètement oublié. Et je n'ai pas de crayon. Hein? Il n'y a pas d'encre dans mon stylo. Allez, c'est pas le moment. Hé, hey, Jasmine. Psst. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je pourrais t'emprunter un stylo? C'est ça. Tu veux les clés de ma voiture aussi? Imagine. Tu peux simplement dire non. Pas besoin d'être cruel. Oh, je sais. Excusez-moi, monsieur. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Un stylo? Non, je n'en ai pas. Désolée, regarde, c'est vide. Maintenant, laisse-moi tranquille. Vraiment? J'en crois pas mes yeux. Oh, peu importe. Allô? Eh oh! Par ici! Je peux t'emprunter un stylo? Le mien n'a plus d'encre. Ah, bien sûr, une seconde! Merci beaucoup! Je crois que j'en ai un quelque part. Une minute. Ah, je l'ai trouvé. Non, c'est pas un stylo. Une petite seconde. Je suis un peu pressée. C'est pour le contrôle. Dépêche-toi, je n'ai plus beaucoup de temps. Ne t'inquiète pas, je sais que j'en ai un. C'est vraiment énervant. Tu l'as trouvé? Ça prend vraiment trop de temps. J'ai une idée. J'espère que ça suffira. Hé, hey, Jasmine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, des sous. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais de l'argent? J'étais sûre que ça marcherait. Je crois que j'ai un stylo dans mon sac. Non, c'est des sous. Tiens, j'ai cherché ce diamant partout. Allez, j'ai juste besoin d'un stylo. Ne me mets pas la pression. Je n'arrive à rien sous la contrainte. Ce sac est vraiment infini. Hé! L'heure va bientôt sonner. On se concentre. Les gosses d'aujourd'hui... Je t'en supplie, un stylo. J'essaye de la trouver. Oh, tout cet or. Encore un diamant? Oh, personne n'a donc de stylo? Désolée, je cherche toujours. J'arrive pas à y croire. Donnez-moi quelque chose pour écrire. Ah, le voilà. C'est fini. Posez vos stylos. Remettez-moi vos copies. Oh non, j'ai pas fini. C'est une catastrophe. Oh, je vais avoir une mauvaise note. Non. Quoi? Mais c'est ta faute. Oups, désolée. Vraiment désolée. Fais le vide dans ton esprit. Ne choisis pas une carte. Laisse les cartes te choisir.
Oh, c'est une superbe carte. Ça veut dire que tu seras populaire. Oh, c'est ce dont j'ai besoin. Je vais en choisir une autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va? Quoi? C'est la carte de la fortune. Elle devrait être pour moi. Pas du tout, c'est la mienne. Peut-être que ma chance est en train de tourner. Ah, oh, je suis très fatiguée. Moi aussi. Faisons une sieste. Bonne idée. Salut les amis. Oh mon dieu, comme c'est gênant. Regardez ça. C'est tellement tragique. Pourquoi est-ce qu'il rit? Oh non, pourquoi ça m'arrive toujours à moi? Non, rouleau de papier toilette, j'aurais dû tirer la chasse. Ils sont superbes. Ils vous vont vraiment bien. Tout est trop beau sur moi. Combien je vous dois? Vous savez, vous l'avez mérité. Merci, c'est si gentil. C'est juste de la monnaie. Hein? Mon ongle! C'est quoi? Oh, c'est de votre faute. Vous vous moquez de moi? Occupez-vous de ça! Prenez ça. Plus. Non, revenez! Ah! C'était juste un cauchemar. Ouh! C'était horrible! Mon pauvre ongle! S'il te plaît, dis-moi qu'il va bien! Je suis désolée d'avoir été méchante tout à l'heure! C'était ta carte! Non, c'était ton tour! Tant que nous sommes meilleurs amis, nous pouvons faire face à tout! Viens ici! C'est trop mignon! Est-ce qu'on doit s'embrasser? Viens ici! Regarde mes cheveux! Ok, c'est assez! Ouh, je me sens beaucoup mieux maintenant! Je vais aller me coucher! Qu'est-ce que... Mindy? Oh, sérieux? Oups! Oh! Je me suis cassé un ongle! Oh, tu peux croire ça? C'est plutôt drôle! Je vais jeter un petit coup d'œil à la nouvelle collection. Waouh, c'est joli. Oh non, maman arrive. Mindy, je te tiens à l'œil. Il faut que tu révises. Oh, bon d'accord, je m'y mets. Tu es contente? C'est bien. Les révisions, c'est bon pour les intellos. Je préfère lire un bon magazine. Waouh, il me la faut absolument. Je vais passer un coup de fil. Allô? Je voudrais votre plus belle manette. Sur le champ. Waouh, c'était rapide. Regardez ça. Waouh, elle est trop belle. Il ne faut pas que maman la voie. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Oups. Essayons quelque chose. Oh, qu'est-ce qu'il se passe? Oh, c'est amusant. Ça te va super bien, maman. Arrête ça tout de suite. Waouh, une licorne! Mindy, je vais me fâcher. Ça suffit. Maman, non! Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Maintenant, elle est cassée. Mets-toi au travail, sinon tu vas voir. Je veux te voir au travail. Joyeux anniversaire, Gabi! J'espère que tu vas aimer. Merci, maman! Une boîte? Ouh, quel mystère! Ouvre-la! Ok, ça devient un peu bizarre, non? Continue! Allez, ouvre-la! Vais-je y trouver une plus petite boîte? Du papier! Attends, tu es sérieuse? J'ai le droit à ma propre carte de crédit? Je n'arrive pas à y croire! Tu es la meilleure maman du monde! Oui, je sais. Je vais pouvoir m'acheter plein de nouvelles choses. J'ai toujours rêvé d'avoir une immense collection de chaussures. C'est tellement glamour. Génial, du homard. J'adore ma vie. Tout ça grâce à ma carte de crédit. Gabi, eh oh, réveille-toi. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Tu t'emballes. Regarde de plus près. C'est une clé pour ton ordinateur. Oh, merci maman. Je l'adore. Oh, qu'est-ce que je dois mettre? Ce projet artistique est super. C'est tellement romantique et sympa. Est-ce que tout va bien? Non, tous mes vêtements sont vieux et sans intérêt. Hé, attention! Oh, celui-là a l'air bien. C'est vrai,
Je suis magnifique. Mes vêtements sont trop simples. Oh, je sais. Peut-être qu'il y a quelque chose dans mon sac que je pourrais mettre. Il n'y a pas grand-chose là-dedans. Oh, ça sert à rien du tout. Attends une minute. Je pourrais utiliser mes super cœurs. Je pense que ça pourrait marcher. Je vais plier mon t-shirt et le mettre sur la table. Ensuite, je plie le cœur par-dessus et je le mets sur le t-shirt. Je trace le contour avec cette craie. Maintenant, je vais l'attacher ici. Je dois le garder bien serré. Cet élastique va le maintenir en place. Ensuite, je dois enrouler le t-shirt et le serrer avec d'autres élastiques. Je verse de l'eau de Javel sur la partie du cœur. Cela va enlever la couleur du t-shirt. Je vais faire la même chose sur toutes les autres parties. Je vais laisser l'eau de Javel pénétrer dans le t-shirt et le tacher. Ensuite, je dois le laver. Waouh, regarde ça. Ça a l'air superbe. Mouah, attends. Waouh, Mindy, j'adore ton haut. Il est super stylé. Ah, quelle journée! C'est l'heure de mettre un peu de crème hydratante. Allez, il doit bien en rester un peu. Bon, essayons la méthode du tube de dentifrice. Je vais l'écraser bien comme il faut. Allez, rien du tout, sérieux? Je vais essayer en l'écrasant contre le rebord de la table. Allez, s'il te plaît, rien qu'un peu. C'est si énervant. Ça ne va pas se passer comme ça. Au grand mot, les grands remèdes. Je vais appeler des renforts. Prends ça! Ouais! Ça a marché! Enfin, je vais pouvoir mettre un peu de crème! Il ne faut surtout pas en perdre. Génial! Ça fait du bien! Ma peau est comme neuve! Qu'est-ce que je peux faire de ça? Je jette ou je garde? Dans le mille! Je vais prendre ça. Il paraît que ces produits sont très bien. Et ceux-là aussi. C'est mignon, ça. Hé, doucement! Attrape! Ce sera tout. Allons-y! Waouh! Regardez tous ces nouveaux produits. Lequel vais-je tester en premier? Celui-ci me tente bien. Hop, je le mets dans le bol. Quoi? Il est déjà vide? Si je les utilise tous, ma peau sera éclatante. Waouh, ça fait beaucoup! Je devrais peut-être les mélanger. Ça sent délicieusement bon! J'ai l'impression de préparer de la potion magique. Ça m'a l'air pas mal. J'ai hâte d'essayer ce nouveau mélange. Ma peau mérite bien ce qu'il y a de mieux. Sans oublier des tranches de concombre pour mes yeux. Ah, je pense que le masque pose depuis assez longtemps. De quoi j'ai l'air? Oh non! Mon visage! Je suis toute verte! Ce n'est pas possible! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! J'ai utilisé de la teinture pour cheveux! J'ai l'air ridicule maintenant! Ah! Oh, c'est mignon! Tu es sûre que tu ne veux pas de concombre? Chut! J'essaie de faire le selfie parfait. Oh, ça va pas le faire. Mindy, prends-le. Bien sûr, attends. Manger des concombres est une mission qui donne soif. Ok, fais une belle pause. Et comme ça. Regarde. Je suis sûre que je suis belle. Qu'est-ce que... Oh, mes cheveux sont affreux. Ah, utilise des bigoudis, ils sont là-bas. Bonne idée. Je vais avoir l'air tellement glamour. Ah, c'est ça, ouais. Je vais avoir des belles boucles en un rien de temps. Hein? Il y a toujours quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Oh oh, ça a fait un drôle de bruit. Il faut que je parte. Oh, elle s'attendait à quoi? Bref, mes boucles sont plus importantes. Ouf, ça va mieux. Mais l'odeur... Je dois sortir d'ici rapidement. Hé, hey, c'est amusant. Attends, j'ai une idée. C'est tellement agaçant. Je vais avoir des boucles aussi. Je ne vais pas pouvoir poster le selfie parfait. Si, tu vas pouvoir. Et c'est ça.
C'est des tubes de papier toilette. Burk. Peut-être que je peux utiliser de l'argent à la place. Je vais les enrouler. Je vais enrouler ces billets. Je vais le garder serré. Puis je vais enrouler mes cheveux autour, comme si j'utilisais des tubes de papier toilette. Hé, ne te la bête pas. Voilà le dernier. Et maintenant, j'attends. Qu'en penses-tu, Mindy? On va être toutes les deux fantastiques. 1, 2, 3. Waouh! Waouh, ça a vraiment marché. Oh, prenons un selfie. Bonne idée. Oh, adorable. Waouh, regarde, tous ces gemmes. On est tellement populaires. Oh mon Dieu, laisse-moi voir. Regarde ça. Habitue-toi à ça. L'école n'est pas facile tous les jours, surtout quand on est nouveau. Il faut travailler dur, s'intégrer et se faire des amis. Et on dirait que Mindy a un choix difficile à faire. Avec qui doit-elle sortir? Le garçon sensible et attentionné ou celui qui est riche et sûr de lui? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires.